Kate Middleton veut réunir sa famille. La duchesse de Cambridge veut que ses enfants passent plus de temps avec leur cousin, le petit Archie. Sa résolution pour la nouvelle année? Selon les informations de US Weekly, elle veut que sa tribu passe plus de temps en famille en 2020. Une source proche de la famille royale britannique affirme que le trio adore le petit Archie. La duchesse espère que ses enfants passeront plus de temps avec leur cousin, assure la source. Mais comme tous les enfants, ils sont facilement distraits. Et cela, alors que pour la première fois depuis qu'ils ont officialisé leur relation, Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas passé les fêtes de Noël en Angleterre et assisté à la messe de Sandringham, comme le veut la tradition. À la place, ils sont allés au Canada, où ils ont rejoint la mère de l'actrice, Meghan Markle. La famille a passé les fêtes de Noël dans un manoir hors de prix, 14 millions de dollars, pour une propriété de 1,6 hectares, tout confort, évidemment. Commencé 2020 en famille mardi 31 décembre 2019. Alors que la journée touchait à sa fin, le prince Harry et Meghan Markle ont partagé une vidéo retraçant les plus beaux moments du couple lors de cette année 2019. Forcément, pour eux, si est-il la naissance de leur petit Archie qui arrive à la première place de leurs meilleurs souvenirs. Alors que les clichés et les courtes vidéos se succèdent pendant plus d'une minute, à la toute fin du montage, pendant de courtes secondes, une photo inédite d'Archie et de son papa fait son apparition avec ce message, 2019 en revue. Nous vous souhaitons à tous une très bonne année et vous remercions de votre soutien continu. Un cliché qui a fait fondre les cœurs des internautes. Times through the rough times I